الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوا على محمد وال محمد. صل على محمد وال محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، صدق الله العظيم. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'ibada. « dans le mois de l'ibada » Dieu, à travers ce verset du Coran, il parle de l'adoration. « Ya ayyuhalladhina amanu arka'u wasjudu »« Ruku'u sujud » c'est la prière. « Wa abudu rabbakum »« Adorez votre Créateur, adorez votre Seigneur »« Wa fa'alul khayr »« Faites le bien » Tout ça c'est l'ibada cette adoration, l'adoration d'Allah pendant le Shah Ramadan, elle nécessite de notre part un effort. On fait des efforts sur la faim, de ne pas manger, c'est difficile, de ne pas boire, c'est difficile, de ne pas trop dormir, c'est difficile. Surtout maintenant, on fait des efforts pour l'adoration d'Allah pendant Sharia Ramadan El-Mubarak. On fait des efforts dans l'adoration pour la prière. On ne fait pas la prière comme, comme on en a envie, quand on, quand on en a envie. Salat soap le matin, ça nécessite de nous, de nous un effort pour se lever, pour prier, se lever et prier, s'arrêter dans des moments de la journée. Donc il faut faire l'effort de l'Ibada. Pour le hajj aussi, le hajj il faut l'effort financier, s'il y a un coût financier, donc c'est une ibadah, Allah il nous a obligés d'aller faire le hajj une fois dans notre vie, mais ça nécessite de notre part aussi un effort, pour sur nous. Il faut de l'argent, il faut la santé, et il faut aller là-bas, et c'est dit Ibtawaf, Sa'i, Safa Marwa, rajm Harafat, tout ça, c'est ibadah, mais il y a un effort à faire aussi. Mais il y a une ibadah que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire. Je reviens juste avant. Les adorations d'Allah qui nous a ordonné de faire, elles sont précises. Elles sont limitées dans le temps et l'espace. Chaque ramadan, c'est le temps. Il y a un temps. Le hajj, il faut aller dans un lieu. Ça la salat, elle est aussi limitée dans le temps. On peut pas faire la prière 24 heures sur 24. Il y a des moments dans la journée, je parle de l'wajib, même hein? hatta salat al c'est la nuit, etc. Mais il y a une adoration que Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de faire. Et que cette adoration, on peut la faire. Dans n'importe quelle condition. Chauffe au salat. Salat, tu fais salat. Mais tu fais, si tu peux pas faire debout, tu fais assis. Si tu peux pas faire assis, tu fais allongé. Si tu peux pas faire allongé, tu fais clignant de l'œil. Tu clignes de C'est Allah, il a mis des étapes pour que tu puisses prier, mais pour que tu sois pas fatigué, pour que ce ne soit pas dur pour toi. Ramadan, Allah dans le Coran, dit ou min Tu le fais. Le khums, tu dois donner, mais si tu n'as pas d'argent, tu donnes pas. Le Hajj, man istata'a ilayhi Sabila. Tu as les conditions requises, tu fais Hajj. Financièrement, physiquement, tu fais Hajj. Mais je reviens à cette adoration que Allah subhanahu wa taala il nous a ordonné dans le Coran. Et cette adoration là, tout le monde peut la faire. Un enfant, il peut la faire. Un adulte, il peut la faire. Une femme, il peut la faire. Un malade, il peut le faire. Un vieillard, il peut le faire. Chaque personne est concernée par cette adoration. Et cette adoration ne coûte pas cher, c'est gratuit. C'est une adoration gratuite. Dans le Coran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, une adoration qui ne coûte rien. dit Allah subhanahu wa ta'ala fil Coran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuha ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma, salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. d'Allah, c'est une adoration. Et cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, qui témoigne de la grandeur de cette adoration. Azamat ha'dihi l'ibada, in Allah. Tu ne trouves pas dans d'autres ibada. Tu trouves pas pour Salat qu'il parle comme ça Allah. Il parle de la valeur de la prière, il parle de la valeur de l'importance de prière. Il donne les heures de prière, comment prier avec les ablutions, le Tahara, tayamoum. Mais le témoignage qu'il fait de cette adoration là, tu trouves pas pour les autres pour les autres ibada. Même pour Siyam, même pour Hajj. Inna Allah Allah, Dieu. Wa ikatahu » ses anges. Il nabi il prie sur le prophète. Et il donne un ordre, c là c'est Amr. « Ya ayyuhal ladina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima »« Ya ayyuhal ladina Oh vous qui croyez, ya ayyuhal ladina amanu » Priez sur lui, c'est un ordre, tu pas le choix. Est-ce que cette adoration les frères, elle est dure C'est facile. Tu ne trouves pas ibadah plus facile que cette ibadah qui t'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset du Coran. Ibadah au salat, c'est facile salat La vérité, quand non des moments, wa qamu ila salat, quand on veut faire la prière, on est fatigué, on n'a pas envie. On veut faire ça shahram, des déjeuner, le zakat, des fois pour sortir l'argent, c'est dur. Il y a des c'est dur, mais meilleure et plus facile, c'est celle-là. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il dit dans un riwaya les frères, il dit, il dit, al-a'mal, <métant> adullukum, il fi mazmun <métant> al adullukum, est-ce que je peux vous montrer une adoration qui est khafifatan al lisan wa faqila ta'ala lisan. Ibadah faqila, khafifa al lisan. Une adoration qui est légère sur la langue, facile, mais qui est lourde dans le poids de la balance. Il dit Assalatu alayya. Oh, ma sallallahu ala wa alayhi Assalat alayya. Et nous sommes en Shahr Ramadan le Mubarak. Shahr Ramadan le Mubarak. Jour al jumuah Jumma. Vous voyez, jour tu trouves dans le Mafati al jinan les frères. Vous voyez, quels le les actes de la Jumma. Lisez quels les actes la Tu trouves parmi les actions les plus importantes, si ce n'est la plus importante, tu trouves la prière sur le Prophète et sa famille. Jour de la Tu trouves, trouves salat, tu trouves le ros. Tu trouves « d'oua tu trouves « Sadaqa »,« Qira'at al-Qur'an »,« Al-Ad'iya »,« les « Dua », les différentes « d'oua Mais tu trouves « Salat », la prière sur le prophète et sa famille qui fait partie de la plus importante des récompenses le jour du vendredi. Pourtant les autres c'est long. Tu fais « d'oua elle est longue, rose, tout, tout, Mais non. Tu dis juste « Allahumma salli wa Muhammad ». C'est lourd dans la balance. C'est important dans la balance. ونحن في شهر رمضان المبارك, dans le mois de شهر رمضان المبارك, le prophète il dit صلى الله عليه و اله dit dans sa khutbah qu'il fait qui est longue, et à la fin il dit من كثر في حي c'est dans le mois de شهر رمضان, c'est dans le mois de شهر رمضان المبارك من كثر في حي من الصلاه علي celui qui fait beaucoup de prières sur moi كثير, beaucoup يكثير Ils ne se contentent pas de prier quelques salawats. Non. Yukthir. Et tu trouves beaucoup chouf. quand tu trouves ulama, tu trouves les ulama, le marajir, les ulama, tu trouves les chouyour, toujours ils ont sabha, ils font ça. Majeure, la, la plus grande partie de leur zik, c'est quoi C'est salat à Muhammad ou à Ali Muhammad. Beaucoup, ils font Allahumma salli ala mohammed Ali Muhammad. Beaucoup. Yukthir. Il y a beaucoup de barakas. Dans, cette, dans ce zikr dans cette ibada. Et il dit le prophète shahr Ramadan, c'est les frères qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi Il dit, celui qui prie beaucoup sur moi pendant le mois du ramadan, qui fait beaucoup de salat Salli ala Muhammad, Muhammad, beaucoup de salat pendant le mois du ramal, il dit Allah, mizanahu. Dieu, sa balance sera lourde de bonnes actions de ribada de bonnes actions le jour où les balances des gens seront légères, il n'y aura pas cette bonne action parce que les, le poids il est, il est différent selon les personnes le poids dans la balance il est différent, c'est comme notre poids à nous, il est différent le poids dans la balance est différent selon les bonnes actions que tu as faites ou les mauvaises. C'est réciproque. C'est dans l'autre sens aussi. Mais il dit non. Le plus lourd dans la balance, c'est la prière sur le prophète et sa famille. Plus lourd. Plus facile, c'est celle-là. Le prophète il dit Sallallahu Alaihi sallam

Le pont de Sirat, c'est le pont qui surplombe quoi l'enfer et dit al mustaqim. Sous, sous le Sirat, sous le pont, il y a Jahannam. Il dit raïtou, Rajulun min ummati al Sirat. Yerjef, Yerjef, c'est il tremble. Il est sur Sirat, il tremble. Yerjef, Yerjef ou wa w yhabu wa yata il dit Je vois un homme de ma communauté sur le pont de Sirat. Il tremble. Des moments, je le vois trembler. Des moments, je le vois. Yahbou, c'est à quatre pattes. yahbou, Quand il marche à quatre pattes, les bébés, il ne peut pas marcher debout. Il ne peut pas se tenir droit sur le pont de Sirat. Il est obligé de mettre à quatre pattes, d'avancer en tremblant. Il Allah, il se tient même. Il dit Je le prophète, je le vois comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit,

Il dit, la prière qu'il a faite sur moi dans sa vie, elle est venue, elle lui a donné un coup de main, elle l'a relevé sur ses jambes. Elle l'a aidé à marcher jusqu'à ce qu'il se passe le pont de Jahannam. Le pont qui surplombe le Jahannam. L'importance. Nous on ne fait pas attention. C'est quand on dit wa Si vous voulez quantifier les bénédictions de Allah tout ce qui vous a donné comme faveur, tu ne peux pas écrire. Chaque fois que tu dis Allahumma salli ala qu'est-ce que tu gagnes Qu'est-ce que tu gagnes Nous on croit que c'est il faut des fois forcer beaucoup de salat, beaucoup de dua beaucoup de recours, soujoud. Non, tu fais juste. Il dit non, salade. al-ibada. Plus facile des adorations, c'est ça. Il y a un ala ma Celui qui n'a rien pour effacer ses péchés, il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à faire des jours de jeûne, il n'arrive pas à donner aux pauvres, il ne trouve pas des actions qui lui donnent un coup de main pour effacer ses péchés. C'est l'imam Reza qui dit. Il dit qu'il qu prie beaucoup sur le prophète et sa, sur moi, sur le prophète et sa famille, car ça efface. Ça détruit, ça fait tomber les péchés. Il s'efface les péchés. Tu trouves Ne soyez pas avare. Tu connais l'avare Est-ce que vous connaissez l'avare de ma communauté Non, on croit l'avare, c'est celui qui ne donne pas de l'argent quand il en a. C'est ça l'avare. Un avare, c'est l'hindou. Il a de l'argent, il a des biens. Mais il veut pas donner, pas seulement aux pauvres, il veut pas partager, il veut pas payer, il veut toujours laisser les autres qui sortent, pas lui. L'avare, on croit que c'est comme ça, un avare. C'est l'avare, on croit que c'est comme ça. Le prophète dit, est-ce que vous connaissez l'avare de ma communauté il Dit Allah, oui, on connaît l'avare de ma communauté. L'avare, c'est celui qui donne pas. Qui ne donne pas l'argent, qui ne qui fait pas profiter aux autres et qui en a, etc. Il dit Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu ce que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas le sens que je veux lui donner. Al-Bakhil min Ummati, dit le prophète, alayhi salatu wa salam. Al-Bakhil <métis> min <en> Ummati, alladhi yasma ismi wa lam yusalli alayya. Allahumma salli ala Muhammad, alladhi Muhammad. <métis en éthi> <métis en éthi> C'est celui qui entend mon nom. Et qui est tellement avare, tellement flemmard qu'il ne dit même pas sallallahu alayhi wa ali. Et que si tu dis, dis c'est bid'a. Faut pas dire. Tu trouves des musulmans qui disent faut pas faire salat ala Muhammad ou ali Muhammad. Tu trouves ça maintenant. Qu'il faut pas. Et surtout pas dire à voix haute, alors que le prophète il dit. Quand tu pries sur le prophète et sur sa famille à voix haute, comme nous le faisons nous, ça éloigne de l'hypocrisie, ça purifie ton cœur de cette maladie qu'est l'hypocrisie. Mais tu trouves maintenant, il dit non. Est-ce que tu trouves des, les wahhabis, tekfirin da waish, tu les entends prier sur le prophète et sa famille Est-ce que tu les entends faire des cercles ou prendre subha sepha c'est haram on ne parle pas de sepa. On parle de dire Allahumma salli ala Muhammad wa li Muhammad. Allahumma salli, non j'aime. Rare. Je n'ai pas entendu. Je n'entends pas. Ils ne font pas sa prière. Ils ne font pas la prière. L'importance, ils ne connaissent pas la valeur. Rasulullah, c'est fini, il est mort. La yen fa'. La la fa'. Le prophète, il est mort on n'a plus besoin du prophète, on ne s'en sert plus, c'est fini. Comme le dit un des, un des penseurs de, des wahhabites, je ne sais pas si c'est Ben Bez, je crois que c'était Ben Bez qui est décédé, il dit, il prend la boîte d'allumettes, il prend une boîte d'allumettes, c'est vrai, hein, on a le texte hein, les frères, hein, il prend une boîte d'allumettes et il dit, « cette boîte d'allumettes, Hadi Ulbat Kibrit, Muhammad. Parce que Muhammad, il est mort, je ne peux pas lui, profiter de lui, et l'allumette, je peux utiliser, allumer un feu. Tu trouves cette pensée-là. Tu trouves cette pensée-là, et malheureusement, les musulmans ignorants, qui ne savent pas, qui vont dans les mosquées, qui écoutent des discours comme ça, ils pensent ça après, que le prophète, c'est fini. C'est pour ça que quand tu vas faire la, la prier sur Rasulullah, on te dit non, c'est haram, bid'a. Parce que pour eux, c'est fini. Pourquoi tu parles à quelqu'un qui ne te répond pas Pourquoi tu t essayes de parler à quelqu'un, salam alaykum, non, c'est haram, c'est bid'a. Mais tu dis je fais salam à la prophète, je fais Allahumma salam. Non, non, c'est fini. Là, passe. Sire, sire, avance. Nahnou, nous, mais nous, on croit dans notre croyance. Que, Allah, alayhi wa alayhi, que le prophète et sa famille, yan faulana fi dunya ali ahira. Nous on croit que le prophète, on, on profite de la baraka de notre prophète. Dans cette vie-là, malgré qu'il n'est pas là, pour nous vivants, on profite de lui. Donc pour lui, on profite du prophète et de sa famille. Dans cette vie, et bien sûr, l'intercession. Dans l'au-delà. Et on croit que le prophète, il intercède pour nous aussi. Dans cette vie, dans nos vies tous les jours, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, tu peux intercéder. Tu peux demander au prophète de soulager. Parce que le prophète, il parle avec Allah. Qu'est-ce qu'on dit C'est pas simplement pour le jour du jugement dernier. Non, c'est quand on a des difficultés dans cette vie, un malade. Une personne qui est malade et qui connaît la, la, la difficulté de la maladie et qui n'a pas d'autre secours que l'intercession, vous croyez qu'il ne demande pas avec son cœur au prophète et à sa famille d'intercéder auprès d'Allah pour le guérir Vous croyez que ça ne marche pas Nous on croit que ça marche. Toute personne qui a des difficultés.

Les hommes comme toi et moi, qui ont un degré élevé, qui tombent martyrs, Shuhada, Allah subhanahu wa ta'ala leur a gratifié de la félicité auprès de lui. Ils sont vivants auprès d'Allah. Et Rasulullah, il n'est il est pas vivant. Rasulullah, il est saïkhlas, jamad. Comment, vous croyez, quelle croyance Quel islam il pense ça si tu lis le Coran, tu dis regardez ce verset du Coran. Ah yeah ou nindarabi. Le prophète il n'est pas vivant auprès de Dieu. La Yurzak. Taban Yurzak. Ah la daraja darajatarasol wa al bayt. Ala mina Plus haute que le Shuhada, c'est le prophète et la famille du Prophète. Quand tu as des difficultés, tu alais Alaikki habita wasol, fais ta wasol, fais Shafar, adi Shafa, Atunfa, dans cette vie, dans l'autre. Je dis une histoire, les frères. Cette histoire, je l'ai entendue d'un savant et un savant qui n'est pas chiite, un savant sunnite, qui dit une histoire. C'est une histoire qui, qui est assez long, qui a longtemps qui, qui est arrivée, sur un croyant mu'min, un croyant mu'min qui était qui est endetté, un doudine, doudine, et il trouve pas l'espoir, il trouve pas le moyen d'éponger ses dettes. Il ne trouve pas le moyen d'éponger ses dettes. Et toutes les personnes à qui il doit, ils viennent chaque jour le voir pour qu'il paye sa dette envers eux. Il perd l'espoir. Fakad al amal, plus d'espoir, son cœur rempli de, de tristesse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir un commerçant. Qu'il connaissait depuis longtemps, et lui demande, il lui emprunte une somme. Maintenant, on dit 500 dinars, c'est comme si tu dis 5000 euros. il emprunte cette somme, et avec cette somme, il va vers Foulane, et vers Foulane, et vers Foulane, et vers Foulane, pour éponger ses dettes. Mais avant, le commerçant lui dit Quand est-ce que tu me rends la dette J'accepte, mais quand est-ce que tu me rends le prêt Il lui dit Je te rends le prêt dans la, dans la période intel il prend la somme d'argent il prend la somme d'argent et il va éponger ses dettes un tel un tel un tel un tel il lui reste rien mais il faut qu'il il 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 reste quoi il reste les 500 dinars qu'il a empruntés. il prend et pareil il commence à perdre espoir mais la personne le commerçant arrive le moment de la dette de le moment de, de pour reprendre son argent, il va voir le, le croyant. et lui dit ya, Bismillah, salam, alaykou, salam, Je suis venu pour que tu me donnes mon argent, comme il était convenu dans notre contrat." Il lui dit "J'ai rien, main déchirée. J'ai pas d'argent, j'ai rien du tout." Il lui dit "Comment t'as rien Comment je vais faire Il dit "Moi, je, je, je peux rien faire. Je sais pas." Que il dit Ana Je vais voir le juge. Avant, il y avait le le juge." Il dit, je vais voir le Qadi. Il va avec les Bayan, il va chez le Qadi. Et le qadi il, il va avec le monsieur, il lui parle, il lui dit, alaykum alaykum salam alaykoum pourquoi vous ne rendez pas l'argent à monsieur un tel? Il dit, je n'ai pas d'argent. j'ai plus de sous, je n'ai pas d'argent, je suis endetté, mais un déchet. il Le, le qadi, il a mis une peine de prison. C'est normal. Le qadi, c'est la loi. Si tu ne payes pas, c'était convenu, que tu dois payer. Le Qadi, le juge le musulman, il dit, tu vas en prison. Tant, il dit, maintenant, je vous demande une chose, monsieur le Qadi. Sayyid al qadi laissez-moi retourner chez ma femme, lui, là, me préparer et lui avertir que je vais faire une peine de prison. Il dit, mais quelle preuve Quelle preuve que tu as que tu vas revenir

Et si je ne reviens pas, mon garant c'est le prophète, et si je ne reviens pas, il lui dit, tu témoignes publiquement que je ne fais plus partie de la communauté du prophète Mohammed. Si je ne reviens pas demain, mais je veux retourner chez moi. Il retourne chez lui, et il dit à sa femme, je suis passé devant le juge, Il lui dit, mais il a hakama comment il t'a laissé sortir Normalement il ne te laisse pas sortir, tu fais ta peine de prison il lui dit "J'ai dit-lui celui qui Il est celui dont ma garantie est le Prophète. Alors elle lui dit "Si ton garant est le Prophète, viens te va fais tes ablutions et viens en prière sur le Prophète et sa famille." Hayya tawaḍḍa, fais tes ablutions et viens en prière sur le Prophète. Wa idhā bil-ithnān yuṣallū, Allahumma ṣalli 'alā Muḥammad wa 'alā Muḥammad, Allahumma ṣalli 'alā. Parce qu'il a dit garant. Il a dit son garant, c'est Rasulullah. Ils ont commencé à faire la prière sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa li Muhammad. Allahumma salat salat, hatanam. Jusqu'à ce qu'il naam. Jusqu'à ce qu'il n'aime. Wa iza bil manam yara Rasulullah. Et il voit, il n'am et il voit dans son, dans son rêve, il voit qui Il voit le prophète. Elle lui dit Ya hava, Oh monsieur tel, va voir wali el madina va voir le maire de la ville. Si, tu si vous préférez. « Adhab ila wali al-madina wa quul lahu al-rasulullah yuqri'uka salam wa yaquula ka saddidni dayini. » Il lui, va vers le maire et dis-lui, le prophète, il te, il te transmet le salut et il te demande de éponger ma dette. Il se lève du, du rêve, il se taïqif min al-naoum et il yadhab ila wali Il il dit, quel projet Il dit, quel projet que tu as vu le prophète dans ton rêve et que le prophète me, me salue à moi et qui me demande de payer Il dit, le prophète, il dit que tu as chaque nuit... Tu, tu pries mille fois sur lui chaque nuit tu pries mille fois la première nuit tu as prié mille fois la deuxième nuit tu t'es trompé dans le nombre tu ne l'as pas fait entièrement il dit il dit le prophète nous t'avons compté comme la deuxième nuit, comme tu as prié la première nuit il prend 5000 le wali il prend 5000 il prend 500 il donne 500 plus il rajoute de sa poche et il lui dit, va voir le juge et va payer ta dette pour qu'il enlève le, le hukm. Il va chez le juge, il frappe à la porte du juge et le juge, il voit le monsieur et il l'embrasse. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il m'embrasse Il dit, ra par, par toi, par toi. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est grâce à toi que j'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, et il me dit Ya oh ô toi le juge, si tu soulages la, la peine et tu soulages la, la peine de ce croyant, je te soulagerai le jour du jugement dernier. Tiens 500. Le wali donne 500, le juge donne 500. Et lui dit Va maintenant voir vers ton débiteur et va payer. Mais le débiteur, il, est pas, il va, il veut sortir de chez le Qavi. Qu'est-ce qu'il voit devant la porte, le débiteur, le débiteur qui lui embrasse les mains et les pieds et lui dit, wa il me dit le prophète et il me salue, salam, il me transmet le salut et il me dit, si tu soulages la peine et la souffrance de ces débiteurs nous soulagerons ta peine et ta souffrance le jour du jugement dernier. Tiens les 500. Il est venu avec 500, il est reparti avec 5, 3 fois 5, 15, 1500. sallallahu alayhi wa les frères. Pour qu'on comprenne, nous, barakat wa afar, le barakat qu'il y a dans les salat à la Muhammad wa Muhammad, wa afar fi hayatina duniaouiya, dans notre vie de tous les jours, l'importance et nous on croit qu'on qu ne connaît pas la valeur. Mais alhamdoulillah, subhanahu wa taala, C'est une نعمه que Allah manna Allahu alayna. Dieu nous a gratifié, Dieu nous a fait une faveur que nous sommes chi que nous sommes chiites de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam, et il nous a octroyé la bénédiction de prier sur le prophète et sa famille. Sallallahu ala alayhi Mohammed wa ali alayhi Mohammed. Wa نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الملتزمين بالصلاة على محمد ولمحمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل على محمد وآل محمد وكن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخره وصل اللهم على سيدنا محمد وال محمد.